Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et comme pour voir, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 2 avec les Rois des Tombes. Donc, alors, dans l'épisode précédent, je sais même plus ce que j'ai capturé. Si j'avais capturé Karak Irn, qui se trouve dans les montagnes noires. Et j'ai mes trois armées ici qui avancent dans les territoires de l'Empire. Donc j'avais capturé Swart Safon. Là je vais pouvoir avancer sur Karak Drondmar et ensuite sur le château de Drakenhof. J'ai deux autres armées qui sont devant le Mont Gumbab, qui vont bientôt l'assiéger. Et j'ai deux armées qui sont en Ituan, qui sont à côté de Tor Ivresse, qui vont aussi l'assiéger prochainement. Je suis en train de récupérer le territoire de... c'est quoi le territoire ça? La jungle du chasseur de tête. Je récupère ça tranquillement. Et pour l'instant, on est bon partout. Qu'est-ce qu'il me manque? Mes armées. J'ai une armée ici. Oui, toutes mes armées sont là. Ça en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ouais, c'est ça, j'ai 10 armées. Et 11. La 11e est ici. Ok, 11 armées. D'ailleurs, je pourrais en faire une 12e. Mais bon, ça attendra. Parce que 30 000 pièces d'or plus 2400 vases canopes, j'en ai 2600. Bon, l'argent, c'est pas ce qui manque. Et en plus, je suis en train de produire toutes les ressources. C'est bien ça. Alors sinon j'ai vu que je pouvais faire du commerce avec le groupe des guerriers Hung. On va pas le faire. Vous êtes en guerre contre qui? Peut-être pas. Vu qu'ils sont en guerre contre les autres factions vampires, j'ai pas envie que ça baisse avec eux. Par contre, à peine off, je peux faire un accord commercial. Bon, c'est pas vraiment utile, hein, vu que je suis blindé de thunes, mais bon, ça renforce toujours l'alliance. Alors, on va passer de tour, parce que là, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Avec la sauvegarde qui dure 30 ans. Allez. Vous voyez comment c'est long? Et voilà. Ouais, sur une partie de... Sur une partie comme ça, en fin de partie, c'est vraiment très très long. Alors les elfes sylvains sont en train de grignoter l'Empire. Mais comme il faut. Et il y a des armées du camp de vampire, il y en a. J'ai regardé un peu sur la carte parce que je les vois un peu tous. Il n'y a plus tant que ça. Je pense qu'elles se sont tous fait laminer et bah, ils essayent de la faire tant bien que mal derrière. Il en reste deux grosses qui sont de ce côté-ci. Ok. Alors. Avec de la veille accomplie, c'est cool. Oula, il y a beaucoup de choses. Hop. Ici, on peut enfin avoir le niveau 3 de Doc Caraz. Là, c'est à fond. À fond. Alors, Miragno. Le port, on peut l'avoir au maximum. Ça aussi. Là, on avait une oasis. Je vais faire ceci. Voilà. Parfait. Non, c'est bon, c'est bon. Là. Ah, qu'est-ce qui manquait ici? Là c'est Caracazul.
Ouais, c'est ça. On va faire, bah on va faire un truc comme ça. Hop, et on va faire. Hors de public, ouais, ça monte petit à petit, hein, c'est pas trop ça. On va faire ça alors. Non, 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 c'est pas ce que je voulais faire. Allez. J'ai envie de faire l'obélisque. Ok. Là, on en manque ici. Et je crois que c'est le bois qu'on n'a pas fait, c'est ça. On est bon partout. Ici. Alors, Karak Irm, on va faire la mine d'affaires. Bah non. Ah non, c'est Karak Angazar. Donc Karak Angazar. On va améliorer ceci. Et on va faire cela. Parfait. Donc là, ça c'est les copains. Eux, ils ont repris Feldorf, c'est très bien. Et Busenberg, on va aller la raser, tiens. De toute façon. On va aller les emmerder un peu. Alors. Toi, tu vas avancer par ici. Toi, par là. Salut, messieurs. Immortality and power. Non, ami. This is my endeavor. My statues will do this. Et hop là. Oui, ils ont une grosse armée là. Ouais, si on peut dire. Et ils ont celle-là aussi. Je crois qu'il y en a une qui est en train de se faire là, ouais, c'est ça. Alors, là, on va faire ce soir garnison. On va améliorer ceci. Alors toi, tu vas faire aussi un assaut sur la garnison. Parfait. Toi, tu peux démolir les murs, je crois. Ah non, ce soit la garnison. Il va plus rester grand chose de la garnison. On en est où là-dedans? C'est pas encore ça. Hein. Attends, attendez. De toute façon, tu veux venir en armée de renfort. C'est pas très grave. Non, je peux pas. My will be done. I reign. Ah, c'est ce que je craignais. Régénère avec PV. Bon, on va mettre ça à toi, allez hop. Ah oui, ils ont bien morflé. Qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais bien qu'ils viennent en renfort, eux. Ils ne sont pas assez proches. Allez, messieurs. Hop là. Là c'est mieux. Legions withdraw. On va faire. We retreat. Bon, on va faire que de toi. Your king demands. Voilà. On va assiéger ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'aime bien qu'ils vont aller récupérer la ville. Pourquoi pas. Ils sont alliés. Oui, ils sont alliés en plus. J'aime bien les hommes lézards qui s'incrustent. Ici, on va faire ça. Histoire de les emmerder un peu.
En fait, j'attends que mon héros soit près de la qu'il fasse une action sur la ville pour qu'il puisse. Je sais même pas ce qu'il pourrait faire. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Assaut sur la garnison, ouais. Ça va être bien ça. Attends d'avoir le moins de pertes possible. Ici, on va faire une charge au trésor, tiens. Côte de mangrove. Après une grande bataille, des cadavres jonchent le sol et des relents de mort emplissèrent. Il semble que les défenseurs protégeaient l'entrée d'un petit entrepôt. Vous vous interrogez sur son contenu et vous vous demandez s'il valait vraiment la peine de mourir. Détroucher les cadavres, enterrer les morts. Fouiller l'entrepôt. On trouve dans le dépôt un amas d'objets qui ressemble à des statues elfiques. Un marchand d'or parmi votre cercle ne tente pas à vous faire remarquer qu'il ne s'agit en revanche que de Camelot. C'est ballot. Et je ne peux pas, c'est chiant ça. Le prochain tour, ce sera bon. Ok, bah on y va. Ça c'est quoi ça? Ah d'accord. Myrmidens, level 5. Oui. Ok, bah on peut passer le tour là. On va se mettre ici. Et on va voir ce qui se passe. C'est vrai que les Skaven ont perdu beaucoup de territoire au nord de l'Empire, mais c'est vrai qu'ils sont aussi énormément présents en Agaroth. Ce qui est assez drôle. Bon, il y a l'armée vampire qui est. Les comptes vampires qui sont allés protéger Drakenov. Ils ont peur. Vascalop, mission accomplie, tu arriverais. Quoi? J'ai fait quoi? Ah d'accord, c'était piller la région, je pensais qu'il fallait raser la région. Bon bah, malgré moi, j'ai quand même accompli la mission. Assaut sur la garnison, d'accord. Bâtiment construit. Oh la vache. Ça en fait. Hein. J'ai bâti un empire. Ça c'est quoi? Les empreintes des anciens. Et ben on va faire des murs. C'est bon, ça c'est bon. Toc. Bois c'est bon. C'est bon aussi. Et ça c'est bon. Parfait. On a rien oublié? Eh bah ben, si. Pilier du Grumly, niveau 2. Très bien. Ok. Non. Là, on va prendre Karak Grandmar. Rasez tout. Parfait. Merci. Oh, j'ai gagné énorme. Qui c'est qui monte le level? I reign. They need to prove themselves. On va prendre ça. I command. Toi, est-ce que tu peux mourir? I shall whisper the gifts. Non, tu peux pas mourir encore. Perhaps an agent of Settler. Settler. Eh oui, je m'en doutais. Salut. Non. Non, je ne veux pas. Who commissions me? Endommager les murs. Les murs étaient déjà endommagés. Never. Mmh. Eh bien écoute... So created.
Tu veux pas, hein, tu veux pas. Arcade Block. Nous, on va en profiter. Hein. Salut. Bon, automatique. Avec une brèche dans le mur, je suis à 95% de probabilité. On va pas se prendre la tête à la faire. Hein. 94 000. Ouf. Merci. Ah, encore une bannière des gens immortels. On en gagne des bannières. Je vais retirer ça. Ouais. My will be done. Toc là. Les ouvre-barres, il y a quoi dessus? Oh, pff, je vais voir, ça va être facilement prenable. Je suis en train de dessiner ma frontière. Bon, cette ville-là, je peux pas la protéger, mais... Bon, si je pourrais la protéger, j'ai une armée ici. J'ai une armée là, il y a encore l'armée qui est venue ici. Ah, ils ont d'autres armées là. Intéressant tout ça. J'ai une idée. Nehekara rises from the sands. Que je peux pas faire. Bon. Je vais mettre en embuscade, mais je peux pas. Je n'avais pas un héros dans le coin là. Je l'ai foutu où? Ah bah non, il est dans l'armée, c'est vrai. Bon. Ici. Ready? Je suis ready. Fill it with sand. Parfait. Awake. Alors, j'ai envie de voir. Ils en sont à combien? My dynasty reigns supreme. Ok, c'est faisable. Donc, 3 tours. Je vais peut-être attendre, mais bon, ça va être largement faisable. On va prendre Tor Ivresse, parce qu'ils ont bien perdu. Bon, la bataille, elle ne fera pas dans cet épisode, je pense. Ici, on en est où? Prochain tour. Encore un petit tour, et celle-là, on va la faire. Celle-là, on va la faire, mon Gumbab. Open the casket of souls. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait tout, il y avait tout ça. Ouais, le mec, il faut bouger. Hein. Son of Nehekara, I command. No. L'encre de Knarsak. Arise, my legions, rise. Pic de Cramp sera facilement prenable. Caracadrine, ouais. Ça oui, et Karakongor aussi. On avance très vite. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression que sur la carte ici, qu'il y a beaucoup de territoire encore, mais en fait, il n'y a plus beaucoup de villes à choper. Hein. Ça. C'est vraiment un blitzkrieg. Ouais, je lui dis, oui. Pourquoi ils ont plus de. J'ai pas fini de refaire les troupes, c'est pour ça. Hop. Address me as your highness. They need to prove themselves. On va faire. Ressusciter. Et là. On va faire ça. Parfait. Bon, j'ai une région complète. Je vais pouvoir aller chercher ces petits zigotos là-haut. Eh ben, on est bon. Passons de tour. J'ai envie de voir où en sont les elfes cibres. Les elfes cibres ont repris Watsmond, Karoberg, Aldorf, c'était prévisible.
Je ne comprends pas que les elfes n'avancent pas sur la couronne. Enfin, tant mieux pour Skavens. Hein. Ah, c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée garnison. Et là de ce côté. Ok, ouais. C'est qui suit Bourrico niveau. Ils sont tous en train de s'entretuer, mais c'est qui suit Bourrico tout ça. Hein. Les armées du chaos, il en reste, mais je sais pas où elles sont. D'accord, bon. Allez, à la bataille. Assaut sur la garnison. D'accord, merci. Ça, on avait fini de détruire. Je sais même plus ce que je voulais mettre. On va mettre le mur pour l'instant. Voyons le bâtiment avant tout. Donc... qu'est-ce qui me manque? Tac. C'est bon, tout le monde est à fond. On est à fond partout, c'est parfait. Mur. Et... ah, ici. Là, je peux faire mine de sel. On met ça à fond. Et parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. I ignore the critics. My statues will do. Hop là. Bon, ici. La bataille. They challenge me. Allons faire ces brancés. Regardez-moi ça. Je suis totalement gagnant, mais bon. J'ai eu de l'affaire. Mon Gumbab, c'est symbolique. Arise, my legions. Rise. Alors faisons-la. C'est vrai que, bon... les armées vampires... je suis vraiment étonné hein, que les vampires soient aussi faibles face aux... aux armées des rois des tombes, parce qu'elles sont contre les autres factions, elles sont quand même, les vampires sont quand même assez pétés. Alors, je me rappelle en Total War Warhammer 1, c'était l'une des factions les plus puissantes avec les nains, bien chiante. Et là, elle se fait littéralement rouler dessus. Oh, des piafs! Ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé dans une de mes armées. Voyons, ils se sont paumés. On va attaquer où? On va attaquer par là, tiens, ça va changer. Hop. Et hop là. Alors. Même pas, attendez, je vais plutôt mettre toi là. Ça va être mieux, c'est plus écarté, plus espace. Un peu de... on va respirer un peu. Ok, toi tu vas monter par là. Faut que je disperse leurs troupes. Ah, c'est vrai que j'ai plein de... pour le coup j'ai plein d'albardiers. Ça change. Toi tu vas me défoncer la porte. Comme d'hab. C'est plus rapide de foncer une porte avec un monstre qu'avec un bélier. Enfin, j'ai l'impression. Et vous derrière. Donc on va faire. Toc. Toi t'es à pied, donc tu vas aller là-dedans. Tu le mets avec toi. Voilà. Tac, la cavalerie. La cavalerie bah, viendra plus tard. Toi, tu vas les couvrir d'ici.
La catapulte derrière. Et le piaf, tu vas aller par là. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Bougez pas, on arrive. Enfin, plutôt hop. Non, plutôt hop. Elle va me défoncer la porte, toi. Ah, c'est vrai que j'ai ma deuxième armée. Je dis merde. C'est vrai qu'on est deux. C'est vrai que ça fait beaucoup. Hein. Alors là, les pauvres. Attendez, il y a trop de monde là. Tiens, va monter par là, toi. Hop. Vous vous positionnez là. Comme ceci. Toi, tu vas couvrir ces messieurs. Le piaf. Va me défoncer la porte. Va te mettre avec tes copains. Ça fait clairement pas le point parce que là. Et là, qu'est-ce que j'ai là? Hop. Et hop, on regroupe tout le monde. Ici, toi tu montes par là. Alors attendez. Hop, 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 toi tu montes par là. Ah, c'est vrai que j'ai ça aussi. Oui, moi je peux le mettre sur personne, ça. Alors, vous. On passe par la porte, hein, s'il vous plaît. Faites pas les cons. Passez pas par... Non, passez par où? Non. La porte. Hein? C'est pas comme si que... La porte, s'il vous plaît. Non, la porte. Bon. Attends que tes camarades passent. Parce que là, tu commences à me faire chier. Mais bon? Ouais, toi là-dessus. Toi là-dessus. Oh, il est déjà bousillé. Ah bah d'accord. J'arrive! Oh d'accord, les piafs les ont détruits. Halte au feu. My orders enacted. Bon allez les gens, vous rentrez. Non. Non, la porte. La porte. Ça m'énerve, ils peuvent pas tous la porte. Halte au feu. Non, c'est bon, on va arrêter le massacre. Allez, on va aider le copain. Voilà. On en est où là? Je vais attaquer les piafs. Attaquer les piafs. Attaquer les piafs.
Attaquez les piaf. Vous là. Qui c'est qui a du mal? Ah c'est toi hein, qui a du mal hein. Tu veux pas passer la porte. Cavalerie. Non, cavalerie j'ai dit. Oh j'ai trop d'armée, je suis pas pour vous. Stop. Bon les enfants on va arrêter de tirer. Hein. Ah, il y a une baston là. Allez, tous dessus. Chargez. Bloom. Ouf. C'est ce que s'appelle. Oh bah d'accord. Il n'a pas duré longtemps. Il s'est fait piétiner. Oh sans surprise. Oh regardez, ils ont rien pu faire. Oh c'est triste. Très triste. Ça a été un massacre, mais... sévère. Le Mongbab est à nous. Sack it. Witness my eternal majesty. Ah. Une bannière épouvantaille, une nécrotèque de la volée charnelle. Mine d'or. On va garder, on va faire. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas de mur ici. Ah si, il y a des murs, c'est d'office. Il n'y a pas de... L'amélioration pour. Hop là. Doom Prince of the Hekala. Nekala. Land of the dead. I doubt his attention. Alors. Level 34, on va faire frappe du désert. Et vous messieurs. Pardon, sire. Eh bah montez par là. Do not challenge me. Moving. Parfait. Je crois qu'on est bon partout. Open the casket of souls. Ah oui. Meurs. Bien joué. Je suis curieux de voir un combat entre un mort-vivant roi des tombes et un mort-vivant vampire. Genre ils se rencontrent dans la campagne de l'Empire comme ça, ils se baladent et ils se tombent dessus. Ce serait assez drôle. Ici. C'est fait. On va rester là pour l'instant. Le temps que j'ai les murs parce que j'ai pas envie que l'autre gus m'attaque par derrière. Et... Ah bah ils ont pris Wisenberg. Très bien ça. Submit to your king. They need to prove themselves. Frappe mortel. Y'a quoi là-dedans là? Ok, je sais où aller. Hop hop hop, on va aller tranquillement par là. Ici. On verra ça après. Et là. Ouais, pas encore un tour et t'es bon. Pour l'instant, ces armées vont sécuriser la région. Vous, vous restez là. Ok, vous. Ouais, encore trois tours. Arise, my legions! Rise! Rise!
I serve king and patriarch. Qu'est-ce que font les... ah oui, ils ont repris. Je sais pas ce qu'ils foutent. Les torts. Blanche. Enfin, la tour orange doit être. Ah, ils ont pas une si grosse garnison que ça. C'est vrai qu'ils ont un gros bonus pour la magie là-dedans. Senteur d'Azurian. Intégrité plus 10. Ah ouais, quand même. Croissance plus 36, c'est quoi? Char en Iltimar. Prince dragon. Cour elfique. Ok. D'accord. C'est une percée. Je suis sûr que si je rase Temps Ivresse, ils vont arriver par derrière, ils vont le prendre. Mais bon, on va se laisser là-dessus. On verra la bataille au prochain épisode, hein, Temps Ivresse. Parce que ça nous permet d'ouvrir une brèche pour l'intérieur du Tuan et surtout d'aller sur la tour blanche au haute. Et ça, ça va être bon. Parce que après, je vais pas m'attarder à l'intérieur de l'île du Tuan. Ah, bon, si je peux faire quelques dégâts, je vais raser quelques villes, hein, pour les faire chier, parce que j'aimerais bien faire la paix avec les wolves, donc le truc ça serait, il faut que je leur fasse un maximum de dégâts. Tiens, il y a la peste ici, pour leur obliger à faire la paix. Ouf, le débarquement des elfes noirs dans le nord, et ça sera je pense la seule solution, ce sera de leur faire beaucoup de pertes. Allez, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. On se retrouve bien sûr très vite pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 2 avec les Rois des Tombes. La semaine prochaine, la semaine prochaine sort le DLC, le prochain DLC sur le jeu avec la faction mort-vivant pirate, là, je ne viens plus du nom, que je vais choper. Je vous ferai une vidéo dessus pour présenter le DLC. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.